Alors, évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'intro ne sera pas longue parce que je voulais simplement qu'on voit ensemble les 9 types de papa. Le papa exigeant. Ouais, ça va Pierre? Tes études à Paris, ça se passe bien? Ouais, ça va. Bah écoute, là j'ai fait un examen blanc, j'ai eu 18 de moyenne. Ah d'accord. Et c'est la meilleure note? Non, il y a peut-être une qui a eu 18,5. Ah oui? Et pourquoi t'as pas la meilleure note? Je sais pas. Ouais, et ben tu vois, c'est ça ton problème, c'est que tu sais jamais. Le papa laxiste. Oui, écoute, je sors d'une conversation téléphonique avec ton directeur. Ah. Ouais, ben je suis vraiment pas content. Il me dit que tu vas encore une fois sur deux. Ben pourquoi t'y vas autant? C'est pas comme ça que tu vas apprendre la vie, hein. D'accord, ben je note, je ferai mieux le trimestre prochain. Le papa moderne. Ouais, écoute Pierre, je te laisse parce que je viens de poster une story sur Snapchat, il faut que je regarde mon nombre d'ouverture. T'es sur Snapchat toi? Bah oui. Papa Zouzou, rajoute-moi. Le papa relou. Ouais, salut, je voulais juste savoir si t'étais bien rentré à ton appartement. Ouais, c'est bon, je suis rentré. Ok. T'as bien fermé la clé? Oui, j'ai fermé, t'inquiète pas. Ok. T'as pas été suivi? Non, j'ai pas été suivi, papa. Bon. Ta petite copine va passer ce soir? Je sais pas, oui, je pense qu'elle va passer. Ah, alors, si tu fais la sodomie... Papa, non, arrête, s'il te plaît, ça va. Le papa moderne, mais relou. Ouais, dis donc, je suis tombé sur ton compte Twitter ce matin. D'accord, t'es sur Twitter maintenant, tu me suis, c'est cool. Ben, c'est cool. Ouais, mais tu me dis que tu rentrais tôt hier soir. Puis je vois un selfie à 5h du matin. Ah, oui, non, c'est parce qu'en fait, j'ai posté à 20h, je m'en souviens très bien. Et j'ai pas trop de réseau, c'est à l'appart là, et oh. Du coup, je peux pas porter un père. Non, un bidoup, papa. Voilà, allez. Voilà. Le papa dragueur. Alors, papa, tu t'en sors avec le nouveau téléphone? Bah oui, et puis, t'as raison, hein. Ça me change la vie, hein. Ah, bah tu vois. Je match pas mal sur Tinder. Mais quoi? Ben rien. Et elle est au courant, maman? Ah, bah, maman, tu sais, maman, avec les gestes, elle croit que je joue à Candy Crush. Ah ok, bah tout va bien alors. Le papa prévoyant. Et tu fais quoi ce week-end? Bah il y a l'anniversaire de Charles. Ah d'accord, c'est où? C'est chez lui, t'inquiète pas, hein, ça va. À quelle heure? Je sais pas, 20h, 20h30. Voilà, il y a un code en bas? Non, il y a pas de code, mais ça va, on est en sécurité, t'inquiète pas. Bon, et je ramène du whisky ou des binouzes? Quoi? J'ai pas compris là. Le papa politicien. Oui papa, je t'appelais pour savoir si tu pouvais peut-être me prêter 200-300 euros pour finir le mois, s'il te plaît. Bon, mon fils, tu me poses une question, je vais m'efforcer d'y répondre. Au vu de la situation financière familiale, qui n'est pas franchement dans la période de croissance que nous avions imaginé ta mère et moi, je pense pouvoir t'accorder cette transaction à l'horizon 2017, voire 2018. Ok, tu me laisses en galère de thune, quoi. Ah non? Et le papa farceur. Allô? Oui, Pierre, je t'appelle pour une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère a eu un accident, elle est à l'hôpital. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Mais non, je déconne, c'est juste qu'on divorce et puis je savais pas comment te le dire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, hein, ça passe plus facilement comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à François Rollin d'avoir participé, vous pouvez le suivre sur Facebook, je mets le lien juste en dessous. Il est moderne, il a Facebook. La semaine prochaine, on commence dès lundi avec une vidéo très particulière, donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc lundi à 6h30. Et pour cette semaine de folie, je vous dis... Merci.